mukuye ni nguvu twende tujenge tutoshe ile trakaseri ile trakaseri ju tuitoshe hatutaitosha kwa kinywa tutaitosha juu ya nguvu zetu njo zenye zitaache ile trakaseri tunaitosha sasa mujikaze tutie nguvu pamoya ababyeyi buri muntu aje mubije nta kibazo twe wabasirikari bacu abasirikari bacu bafite RCA yacu ya RC turabagaburira tubagurira ibyo kurya ntabwo ari ukuja kurya ingurube z'abaturage guca ibitoki by'abaturage kubona ibishimbo by'abaturage bakabisarura oya twe dufite budget yacu nta hantu tuzagenda ngo dusahure inka ngo tubonye ihene y'umuturage iri gutambuka inkoko y'umuturage turayifashe oya twe dufite ibyacu tugomba kwigaburira twe gisirikari cyacu icyo kintu apande yaracyanze Jene makenga ravuze abasirikari bacu tugomba kubakorera budget abakorera Depuis le week-end dernier, les terroristes rwandais du M23 cherchent les passages pour occuper la ville de Goma, mais sans suite. La journée de mardi était un calvaire pour les sujets de Paul Kagame. Ces rebelles, après leur échec à Karenga, ont foncé vers la vallée surplombant le pâturage de Kiloliwe avec une tentative d'arriver à Sake. Malheureusement, ils se sont heurtés au fait des forces armées de la République démocratique du Congo où ils ont pris fuite vers les parcs nationaux de Virunga. L'armée loyaliste n'a pas hésité de les pourchasser par le feu. Cette situation a créé une panique généralisée dans la cité de Sake et ses environs, suivie d'un déplacement massif de la population en direction vers Goma. À présent, sur la ligne de front entre les FARDC et l'M23 dans les Masisi, signalent les entités de Kimboka, Kiloliwe, Karuba, Kingi, Mushake et Rubaya sous occupation de l'armée loyaliste. L'ennemi en déroute et en perte de vitesse utilise les réseaux sociaux pour divulguer les fausses informations afin de susciter la panique de la population. La société civile appelle les patriotes congolais de ne pas se livrer au jeu de l'ennemi. La formation politique Nouvelle Élan Nord Kivu tape sur la table en condamnant cette énième agression de la RDC par le Rwanda. Le vrai problème, c'est qu'on est en train de donner l'Est du Congo au peuple nilotique, au détriment du peuple bantou. C'est pourquoi je dirais ceci à la population congolaise, de se réveiller. Il est temps de passer aux actions concrètes. C'est le peuple qui se libère. Et je crois que la population aujourd'hui de Goma est consciente.